Sur son stand, Flo Leventi propose des flashs, des dessins uniques, prêts à être tatoués. Sur certains, il a choisi d'évoquer Paris et sa résistance, et ce, bien avant les attentats. J'aime beaucoup Paris, j'y ai travaillé il y a quelques années, pas en tant que tatoueur, avant d'être tatoueur. J'y ai vécu, j'ai habité Montmartre, j'aime vraiment beaucoup cette ville. C'est vrai que moi, quand j'avais fait ces flashs-là, au départ, c'était vraiment juste pour rappeler ça et par fierté d'être français, entre guillemets. Après le 13 novembre, beaucoup se sont pressés dans les salons de tatouage pour marquer leur peau d'un symbole. La Tour Eiffel pour certains, la devise de Paris pour d'autres. Même nous, des amis à nous qui ne sont pas du tout tatouage et qui étaient prêts à se faire tatouer justement une petite Tour Eiffel, une petite chose pour rappeler tout ça. Même constat chez ce tatoueur parisien situé au cœur du 11e arrondissement, à quelques rues de la Belle Équipe. Lui aussi a constaté des demandes en rapport avec les attentats. Il a même tatoué deux rescapés du Bataclan. J'avais fait la façade du Bataclan sur une de mes clientes qui est restée 2 heures à l'intérieur. C'était un peu pour exorciser tout ça. Des tatouages pour se souvenir et rendre hommage aux victimes.